Maintenant, on va parler quoi de la dernière histoire de cette soise là. La soise de l'île, la caverne. Comme promis. Regardez, on va parler de l'histoire de quoi de Cognac. De Cognac. L'histoire de deux poignons commence à partir du verset 83, cette soif là. Et ça s'achève au verset 81. Au verset 98. Hein. Allons-y. Verset 43. Et m'interroge sur Dul Cognac. Dis, je vais vous en citer quelques vers mémorables. Vraiment, nous avons perdu sa puissance sur terre et nous avons donné libre à toute chose. Il a donné libre à toute chose. Il a donné la puissance. La puissance, elle est très puissante, Dul Cognac. Il suit comme une voix. Et quand la terre le coucha, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et au père, il trouva une peuplade impie. Nous dit, oh, Dul Cognac, où tu es châti, où tu uses de bienveillance avec égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira de chaque mot terrible. Et quand celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense. Et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Puis il subit une voix. Et quand il vit la terre devant, il voit que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle il n'avait pas donné de voix pour s'en protéger. Il en vit ainsi et nous embrassons de la science de ce qu'il détenait. Puis il subit une voix. Et quand la terre est un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait pas son langage. Nous dit, oh Dul Cognac, les Yadouj et les Madouj commettent des ordres sur la terre. C'est-à-dire Gog et les Magog commettent des ordres sur la terre. Est-ce que nous pouvons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Il dit, ce que mon Seigneur m'a confié vaut mieux que votre temps. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un rempart entre vous et eux. Apportez-moi les blocs de fer, puis lorsqu'il en eut comblé, elle soit sur les deux montagnes et dissoulée. Puis lorsqu'il lui rendu une prunesse, il dit, apportez-moi les couleurs fondues, que je le déverse des seuls. Et si le plus guère, laisse arrêter ni les bléchés non plus. Il dit, c'est un miséricorde de la part de mon Seigneur. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le libérera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laissons se sur la terre comme les flots les uns sur les autres et en soufflant la trompe et nous les rassemblons tous. Et ce jour-là, nous présentons de près l'enfer aux mille créants. Dont les yeux ne pouvaient me voir qu'ils les empêchaient de penser à moi et ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont maigre, quand ils vont pouvoir prendre pour aller me secter en dehors de moi, nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mille créants. Voulez-vous que nous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont le corps dans la vie présente cet égard alors qu'ils s'imaginent faire une pierre. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur ainsi qu'ils la rencontrent. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne les assurons pas de poche de la résurrection. C'est que la vérité sociale l'enfer pour le maigre et bien railler les saints. Et les messagers, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins de Pilaos, où ils demeureront éternellement sans désir aucun changement. Dis, si la mer était entre côté des paroles de mon Seigneur, cette mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterons son équivalent comme renfort. Dis, je suis en tête un être humain comme vous. Il m'a dit que votre Dieu est Dieu unique.
Ils vont donc espérer en connaissant au Seigneur qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe donc dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ainsi finit la soirée. Hein? Vous le connaissez quoi? Vous le connaissez.